Donc la rencontre, c'est une, la rencontre d'aujourd'hui est une rencontre importante. Nous avons avec nous, nous avons le plaisir et la chance d'avoir deux ministres du gouvernement de Sa Majesté, donc le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. L'objectif principal de cette rencontre, c'est de débattre du contenu du projet de la loi de finances 2020. Ça, c'était monsieur le ministre de Finances qui en a parlé. Et l'autre point, c'est l'acte d'investir au niveau local. Et c'est monsieur le ministre de l'Intérieur qui en a parlé, avec un zoom particulier sur la refonte des centres régionaux d'investissement. Donc, il nous a annoncé que la nouvelle version des centres régionaux d'investissement sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine, avec comme objectif de terminer sur le déploiement de ce projet fin 2020. Nous avons aussi parlé de la prise de décision au niveau local pour tout acte d'investissement. Et nous a aussi annoncé que les terrains de l'État qui sont dans la bordure des grandes villes seront dédiés, réservés exclusivement à des projets qui créent de l'emploi et de l'investissement, ce qu'on appelle productif. Donc voilà, nous sommes en train de débattre avec les deux ministres sur tout cela. Bien évidemment, la CGM, avec toutes ses instances, que ce soit les commissions, les fédérations, son groupe parlementaire et les régions, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour préparer nos amendements. Ces amendements sont en train d'être présentés en ce moment à l'intérieur de la salle par nos experts, et on espère aboutir, Inch'Allah, à des résultats positifs qui rentrent dans l'intérêt de l'entreprise marocaine et de l'économie marocaine. Et nous avons aussi, comme vous le savez, notre groupe parlementaire qui est au niveau de la deuxième chambre, qui va aussi nous donner toute l'aide nécessaire pour travailler avec nous et aider à ce que ce projet de loi puisse intégrer une très bonne partie des demandes de la CGM. Voilà. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.